Bonjour, aujourd'hui on va voir comment implémenter une intelligence artificielle arborescente de Monte Carlo Tree Search en SQL dans le cadre de la série de d'IA pour des jeux. Donc je rappelle, on est en train de voir comment faire des IA pour un jeu de puissance 4. On avait vu le jeu, comment implémenter le jeu, comment implémenter des IA random Monte Carlo avec une interface utilisateur et un système de comparaison. On avait fait tout ça en C++, et là pour la partie SQL, ben, on arrive à la partie MCTS, IA arborescente. Alors MCTS, j'avais détaillé ça quand on a vu ça en C++, mais je vais quand même rappeler le principe. L'idée, c'est d'évaluer les coups possibles qu'on peut jouer et de choisir un qui est performant, tout ça en utilisant une structure d'arbre. Donc l'arbre de jeu, ça représente l'état des jeux. Chaque nœud, c'est l'état d'un jeu. Et quand on joue un coup, et ben on descend dans l'arbre sur un nouveau nœud, un nouvel état de jeu. Donc à la racine, on a l'état de jeu courant pour lequel on doit choisir le coup qu'on peut jouer. Et ce qu'on veut, c'est bah, calculer est-ce que les jeux sont intéressants ou pas. Alors pour ça, ce qu'on pourra faire, c'est bah, tester, jouer tous les coups jusqu'à arriver à des parties terminées, à des jeux terminés, et bah, voir oui ou non on a gagné si on a parcouru toute cette historique de jeu. Comme les solutions, comme les possibilités sont très importantes, on peut pas calculer tout l'état, tout l'arbre de jeu. C'est trop gros. Ce qu'on fait, c'est que on calcule une partie de l'arbre de jeu. Quand on arrive à un nœud où la partie n'est pas terminée, bon, on va faire une estimation de cet état de jeu. Donc le MCTS, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je parcours ici les nœuds que j'ai déjà testés. Quand j'arrive au nœud S1, j'ai plusieurs coups possibles, mais j'en ai un que j'ai pas encore testé, ben, je vais le créer, donc c'est l'étape d'expansion. Donc ici j'ai créé S2, un nouveau nœud, et pour estimer, ben, on fait une partie aléatoire, ça c'est l'étape de simulation, jusqu'à un jeu terminé qui va nous dire bah tel joueur a gagné, et ça nous donne un score pour ce nœud-là. Et ce score-là, on va le remonter jusqu'à la racine, on va avoir des statistiques qu'on va pouvoir stocker au niveau de chaque nœud. Donc notamment, est-ce qu'on a eu une victoire, et combien de simulations on a eu pour chacun des nœuds. Et donc ces statistiques-là, ça nous permet bah, dans la sélection de faire une sélection un peu intelligente. Au lieu de prendre un parcours aléatoirement, on va pouvoir voir, tiens, bah, ce coup-là, je l'ai simulé un certain nombre de fois et j'ai eu beaucoup de victoires. Donc ça veut peut-être le coup de creuser un peu. Voilà. Et donc on a ce choix à faire entre, tiens, ce coup-là est intéressant, je vais aller voir plus profondément si vraiment c'est intéressant ou pas. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'exploitation. Et on a également un autre critère qui peut être important, c'est bah, ok, mais là j'ai d'autres coups que j'ai pas trop explorés, je sais pas si c'est intéressant ou pas. Donc ça c'est l'exploration. Et donc dans la sélection, les statistiques qu'on a calculées ici, bah, ça nous permet de calculer une formule qui fait un compromis entre l'exploitation et l'exploration. Et est-ce qu'il y a une petite formule qui nous donne ça, la formule du CB que j'avais présentée sur la partie C++. Donc voilà, MCTS, c'est un algorithme itératif, on construit un arbre de jeu. À chaque itération, on va créer un nouvel état de jeu, une nouvelle possibilité, on va les simuler aléatoirement et on va remonter les statistiques pour savoir si c'est intéressant ou pas. La sélection, le choix du nœud est fait avec la formule du CB. Une fois qu'on a fait toutes nos itérations ICTS, donc on a calculé tout l'arbre de jeu qu'on s'était autorisé, et ben en fait on a des statistiques au niveau des enfants directs de l'état de jeu courant, et on va pouvoir choisir celui qui est le plus intéressant grâce à ces statistiques qu'on aura calculées lors des itérations. Donc maintenant, comment on implémente ça en SQL? Ben, on va voir sur le code. Alors c'est une structure d'arbre, donc le type essentiel, c'est un nœud qui va représenter ben, un nœud de l'arbre qui va être relié à d'autres nœuds. Alors pour ça, on peut créer un type ici, node, et on va stocker des informations intéressantes pour le jeu qu'on est en train de simuler, les statistiques MCTS, et également on va avoir des informations bah, sur la structure en elle-même, les nœuds enfants. Donc concrètement, on a notre jeu, le joueur qui doit jouer, combien il y a de coups possibles, donc ça c'est la partie jeu vraiment. Ensuite, au niveau de l'arbre, on va voir le parent ici et les enfants ici. Donc le parent, c'est une référence vers un nœud, et pareil, les enfants, c'est un tableau, une liste de nœuds, pas une liste de nœuds. Et les statistiques MCTS, le reward, donc le score qu'on a actuellement sur ce nœud-là, et le nombre de simulations, pareil. Et ça aussi, le last, c'est pour avoir quel est le dernier enfant qu'on a testé. Donc voilà, statistiques pour le jeu, statistiques pour la structure d'arbre, statistiques pour MCTS. Enfin, statistiques données. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que le type est paramétré, on a un node de S. Alors pourquoi?
pour plusieurs raisons. Déjà parce que game, on a un game de S, donc on a besoin déjà de passer le paramètre ici à la structure de jeu. Ce qu'on avait utilisé pour le game, je rappelle, c'est on avait des tableaux mutables pour éviter de recopier les données. On modifiait juste le tableau en mémoire pour le plateau de jeu de puissance 4. Et donc, ça nous permet d'éviter des copies mémoire, mais du coup, il faut aussi que Node il soit paramétré par le type ici. Donc le paramètre, je rappelle, c'est parce qu'on travaille dans la monade ST, et c'est l'état du thread sur lequel on est en train de s'exécuter, ce qui nous permet d'éviter des accès concurrents, etc. Donc vraiment, on a notre thread en paramètre, et c'est lui qui permet de référencer que la structure calculée est dedans, et c'est ça qu'on fait pour le game. Donc ça permet d'éviter les copies mémoire, et ça nous apporte aussi d'autres choses intéressantes. On avait vu notamment les nombres aléatoires avec les générateurs pseudo-aléatoires, mais on peut aussi avoir des références. Alors ça peut être pratique pour avoir une référence sur le parent, donc ça c'est ce qu'on a ici, donc le node ref, c'est un stref ici, et également on peut avoir des références vers des zones mémoire qu'on va modifier, sans avoir à recopier tout le nœud avec les champs ici qui auraient été modifiés. Donc on peut juste mettre la référence, par exemple pour le reward, pour le nombre de simulations, et bien tout ça c'est des choses qui vont modifier, qui vont être modifiées au cours des itérations MCTS. Donc ça peut être bien de mettre une référence pour juste modifier la valeur sans recopier tout le nœud. Et puis voilà, et dernière remarque, cette structure bien sûr elle est récursive parce qu'on a dans notre node, on a un vecteur vers des enfants qui sont également des nodes, et pareil, le parent c'est une référence vers, donc un stref vers un node également, donc la structure s'utilise elle-même. Donc voilà, pour construire des nœuds, et ben on va avoir besoin on va pouvoir faire des petites fonctions pour initialiser tous ces champs-là. En fait, on a deux constructions possibles. Soit on va construire la racine, où par exemple il n'y aura pas de parents, des choses comme ça. Et également, on va pouvoir construire des feuilles. Donc ça, c'est l'étape. Je vais mettre ici. Quand on a, quand on fait de l'expansion sur l'algorithme de MCTS, et ben on va avoir besoin de créer un nœud ici. Donc là, on a un parent, et puis on n'aura pas d'enfant. Donc en gros on a toujours ces deux cas, on aura seulement ces deux cas-là à construire. Donc j'ai fait deux petites fonctions ici qui utilisent en fait cette fonction-là. Donc en gros la fonction ici, elle prend des paramètres pour être un peu flexible, mais en gros c'est juste à partir d'un nœud, je vais créer, à partir d'un jeu, je vais créer un nœud. Donc l'idée c'est je clone le jeu courant, j'initialise combien il y a de mouvements, quel est le joueur courant, et après je vais terminer l'initialisation et retourner le nœud complet, donc avec ce que j'ai calculé avant, et également les références ici, initialisées à zéro, au début j'ai pas de simulation, j'ai pas parcouru les enfants, donc je crée les STRF qui correspondent ici, et pareil le tableau de mouvement au début il est vide. Et voilà, et donc je retourne le nœud avec ça. Et l'idée de mettre ici ces deux paramètres supplémentaires, c'est d'avoir une fonction que je vais appliquer sur le jeu initialement, donc qui est passée ici. Et le deuxième nœud ici, c'est est-ce qu'il y a un parent ou pas. Donc ce paramètre ici. Et du coup, après, si je veux créer une racine, j'appelle ma fonction mknode ici. La fonction à appliquer sur le jeu, il n'y a rien, je veux pas jouer un coup, puisque je veux juste avoir la racine, donc je retourne. Et pareil, il n'y a pas de parent, donc j'envoie nothing. Et sur la création d'une feuille, ça veut dire que par rapport au jeu courant, il va falloir que je joue un coup. Donc là, c'est ce que je passe ici. Qu'est-ce que je passe ici? Voilà. Donc je crée une fonction. Où est-ce que c'est? Voilà. Je lui passe la fonction qui joue le coup numéro K. Donc ça veut dire que mknode, il va jouer. Il va appliquer cette fonction sur le jeu avant de le copier. Enfin, il va le copier, il va jouer ce coup-là. Donc, du coup, j'aurai bien le nouveau nœud avec le nouvel état de jeu. Et pareil pour le paramètre parent. Il faut que je l'initialise cette fois au nœud à partir duquel je suis en train de créer la feuille. Voilà. Donc, cette fonction-là permet après de faire ces deux petites fonctions bien pratiques. Et une fois qu'on a terminé également les itérations MCTS, j'ai créé mes nœuds, etc. Je vais avoir besoin au niveau de l'arbre de regarder les voisins directs de la racine pour savoir quel est le meilleur et lequel choisir. Donc pour ça, je peux faire une petite fonction bestNode ici qui fait ça.
Donc en gros l'idée c'est alors qu'est-ce que ça on s'en fiche voilà l'idée en gros c'est ça, c'est je construis une fonction ici qui permet de choisir les nœuds. Donc à partir d'un nœud et de son indice, et ben je regarde est-ce qu'il y en a un qui a plus de simulation, je retourne en fait celui qui a le plus de simulation, le nœud et son indice, et ce qui m'intéresse à la fin c'est l'indice du meilleur qui aura été trouvé. Et donc tout ça c'est juste une réduction, un fold sur les nœuds enfants de la racine. Ça c'est la valeur initiale, ça c'est la fonction que j'ai mise ici. Et pourquoi cette fonction là, donc ça ifold m', c'est parce que en gros c'est un fold m parce que je suis dans la monade st, ça nous permet de travailler là-dedans directement. I pour avoir l'indice également de chacun des nœuds que je suis en train de parcourir, et le prime c'est pour avoir de l'évaluation stricte. Bon ça c'est du détail, mais en gros c'est juste une réduction sur tous les nœuds enfants, et je calcule le meilleur nœud, celui qui a le plus gros score, et je retourne son indice. Ok, donc maintenant on va avoir besoin de la sélection UCB. Donc dans l'étape de sélection ici, imaginons je suis à un endroit dans l'arbre, et ben je veux choisir parmi les enfants lequel est le plus intéressant en faisant le petit calcul compromis exploration exploitation avec la formule UCB. Donc la formule elle est donnée, il y a juste à l'implémenter. Donc c'est ça. L'exploitation plus l'exploration avec le petit facteur de pondération ici. L'exploitation c'est juste la moyenne des scores divisé par le nombre de simulations, et puis l'exploration c'est la petite formule en racine carrée de log de le nombre de simulations du parent sur le nombre de simulations de l'enfant. Donc voilà. Et cette fonction là select UCB, ça fait pareil que comme pour best node, ça fait une réduction sur tous les nœuds enfants, et ça regarde quel est celui qui a le meilleur score UCB, donc avec la petite formule qui est ici. Donc cette fonction elle nous donne directement, je suis ici, je vais parcourir tous les enfants, calculer la formule UCB pour tous les enfants, et retourner celui qui sera le plus intéressant. Et donc une fois qu'on a ça, l'algorithme MCTS, il y a juste à implémenter les différentes étapes. Donc sélection, expansion, j'ai tout mis sur une étape. L'idée c'est juste que, alors ça on s'en fiche, voilà, je vais regarder ici. Si j'ai pas traité tous les enfants, je vais faire une expansion. Je vais créer un nouveau nœud. Donc c'est ce qui est fait ici. Je crée le nouveau nœud. Je l'ajoute dans le tableau des enfants et je retourne ce nouveau nœud. Sinon, j'ai parcouru tous les enfants. Il faut que je fasse que je descende dans l'arbre. Donc là, on appelle la fonction de section UCB. Ça va nous donner un nouveau nœud et il faudra refaire pareil, continuer la recherche à partir de ce nœud enfant. Donc on passe ça dans la fonction ici et on fait un appel récursif. La simulation, tout simplement, on va cloner le nœud qui correspond, cloner le jeu qui correspond au nœud, et faire une partie aléatoire. Donc on avait déjà fait cette fonction-là, playout random, pour les algorithmes MCTS, etc. On a juste à cloner le nœud et à le passer dans cette fonction-là, avec le générateur qui est passé en paramètre ici. Et enfin la rétropropagation. Donc là l'idée c'est on est en bas de l'arbre, on a fait nos simulations ici, on a un score, on va remonter ces informations jusqu'à la racine. Il suffit de le faire. Comme on a des références modifiables, on peut juste modifier nos références. Donc ici, on peut modifier le reward du score, donc on ajoute le score. On peut modifier le nombre de simulations, on ajoute 1. Et on parcourt le nœud parent. Alors si le nœud parent, il n'y a rien, c'est qu'on est à la racine, on a terminé. Sinon, c'est-à-dire qu'on a un parent, on va juste lire notre référence et appeler récursivement la fonction de rétropropagation sur ce parent-là. Et statut, c'est le score qu'on a récupéré de l'étape de simulation et qui nous permet de mettre à jour les statistiques de toute la branche qu'on avait utilisée. Donc là, on a toutes les fonctions nécessaires. Maintenant, ce qu'il faut, c'est intégrer notre bot sous forme de type et de le mettre dans notre programme sous notamment la classe de type de bot qu'on avait défini. Il faut dire que notre type, notre nouveau bot, il respecte l'interface de bot qu'on avait déjà eu jusque-là et qui nous permettait de faire des programmes. Alors, pour créer un bot MCTS, tout ce qu'on a besoin, c'est le nombre d'itérations MCTS qu'on va faire dans tout l'arbre, et également le générateur aléatoire qu'on va devoir stocker ici au niveau du type pour pouvoir l'utiliser au fur et à mesure des itérations. Donc ça, c'est le bot ici. Ça ressemble vraiment fortement au bot de Monte Carlo qu'on avait déjà vu. Et donc la fonction pour générer un coût,
Et ben c'est ce qu'on va mettre dans l'instance de la classe bot. Hein. Donc la classe bot, j'avais dit, c'est une fonction, c'est une classe de type qui est une fonction genMove et qui nous permet à partir d'un bot et d'un jeu de dire quel est le numéro du coup qu'on veut jouer. Donc pour MCTS, comment on instancie ça? On va déjà avoir besoin de créer un nœud. Donc là j'ai mis un do parce que je suis dans le mode ST, hein, je vais pas parler, mais genMove, si je regarde sa définition, c'est on est dans la monade ST, on doit retourner un entier, on a un bot et un jeu en paramètres, et on doit se débrouiller avec ça. Donc comment on fait ça? Alors on est dans la monade ST, donc je vais créer la route, le nœud racine, je vais appeler ça route. On a notre fonction mkroute. On a besoin, je pense, de lui passer le jeu. Je vais voir ça. Hop. Voilà, donc il faut lui passer le jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les simulations MCTS sur ce jeu-là. Alors, en gros, l'idée, c'est... je vais répliquer un nombre de fois qui sera n iter. Donc, on va voir, il faudra répliquer n iter fois et les étapes de MCTS. Alors MCTS, on avait vu qu'il y avait le select expand, on a vu qu'il y avait ensuite la simulation, donc c'était simulate, ouais, et ensuite rétropropagation, donc qui est juste au-dessus, voilà, et à la fin on va retourner, alors par contre mes tabulations sont pas bonnes, ok. Et à la fin, donc, on va retourner le meilleur score. Donc, on aura un best. Donc, c'était quoi? Best node. Ok. Alors, best node, on aura juste le nœud à lui fournir. Donc ici, best node à partir de notre racine. La simulation, on a besoin de lui passer juste le nœud et ça nous retourne un nœud. Donc, la simulation, on fait ça à partir de la racine avec toute la descente de l'arbre. On récupère le nouveau nœud, je l'appelle node. La simulation, à partir de notre nœud et du générateur de notre bot, ça va nous fournir un statut. Donc, le générateur, c'est le paramètre ici, gen, le nœud, c'est le node ici, et ça nous donne le statut, le résultat de la simulation aléatoire. Et ensuite, la backpropagation. On a le statut, on a le nœud feuille qu'on a calculé, et on va faire la remontée de l'arbre, et ça nous fournira rien, ça va juste modifier l'arbre. Donc on a juste à faire propagation de statut et de notre nœud. Et puis a priori c'est tout. Ok. Donc là, j'ai bien créé mon type avec les champs dont j'avais besoin, le nombre d'itérations de générateur aléatoire. J'ai une classe bot qui permet de représenter les types, le type bot, qui ont une fonction genMove. Donc j'implémente cette fonction-là pour mon bot MCTS ici, et a priori ça devrait fonctionner. Alors je vais essayer de compiler. Hop, alors, ah oui, j'ai oublié de parler de ça. La réplication ici, en fait je suis en train de faire une boucle ici. Et pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que je suis dans la monade ST. Et donc dans la monade ST, c'est une monade. Et donc il y a quelque chose qui permet de répliquer, qui s'appelle replicate. Replicate M, donc ça veut dire que je vais faire toute cette action là, je vais la répéter n iter fois, et comme j'ai pas besoin du statut parce que c'est juste mon route ici qui va être modifié, et je peux mettre un underscore pour dire les différentes étapes, tu les calcules juste, ce sont des actions dans le contexte de monade ST, et le résultat j'en ai pas besoin, je vais le récupérer d'une autre façon. Donc je stocke ça, j'enregistre ça, je recompile. Alors la compilation, j'ai activé quelques options pour que ça aille un peu plus vite. Donc la compilation est un peu plus lente. Bon, on va voir. Ok. Donc ça compile. Ah oui, c'est un peu lent même. Alors attends, je peux montrer comment on va utiliser ça. Alors par exemple, dans notre programme d'interface utilisateur, on avait fait la partie interface et on testait contre un bot de Monte Carlo. Donc si maintenant je testais contre mon bot MCTS, j'ai juste à le rajouter ici. Le nombre de simulations, on va laisser ça, et puis a priori c'est tout. Ah oui, non, est-ce que j'ai bien précisé? Voilà, donc on avait mis quand même à un bot une nouvelle classe de type
pour gérer des entrées-sorties. Donc il faut bien que j'instancie aussi pour un bot qui peut faire des entrées-sorties pour pouvoir faire les affichages avec un humain. Et ben il faut que j'instancie ça pour mon bot MCTS ici. Et en fait c'est juste que la nouvelle fonction de cette classe-là, ben, elle appelle la fonction que je viens de déclarer ici pour les bots classiques qui ne font pas d'entrées-sorties. Ok. Et donc maintenant je peux tester mon interface utilisateur. Donc là c'est moi qui joue rouge. Alors par exemple je vais jouer 1. Et Monte Carlo a joué pour jaune et il a joué ici la case numéro 3. Alors on peut voir si je rejoue 1, voilà, il essaie de me bloquer. Si je joue un peu n'importe quoi, bah lui il essaie de jouer. Et a priori, il a gagné, il a aligné les 4 pions ici. Voilà. Donc ça a l'air de fonctionner. On avait vu également des fonctions de comparaison. Donc comment faire un test d'un joueur contre différents paramétrages d'un deuxième joueur et comment faire un test de paramétrages de deux bots. Alors je vais peut-être lancer le calcul pour vous montrer ça. Ah, c'est pas ça. Voilà, donc là je lance le programme et il fait donc MCTS avec un paramètre qui varie, donc le nombre de simulations. L'intérêt de faire ça, c'est que il y a un paramétrage sur notre algorithme, et donc on veut voir contre random, si je fais évoluer le paramètre de MCTS, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a plusieurs valeurs de MCTS qui sont testées contre random et s'affiche tout ça dans un tableau de CSV ici. Donc là ce que j'ai testé c'est MCTS avec, en faisant varier le paramètre avec ces valeurs là par rapport à random. MCTS avec ces valeurs là par rapport à MCTS 512 et ici Monte Carlo et Monte Carlo Tree Search et je les compare notamment en faisant varier les deux paramètres. Donc en fait pour ce paramétrage là et il y a l'équivalent ici x5 dans MCTS, et ben je compare les deux et puis je passe à Monte Carlo 16 et 16 x5 et je compare les deux, Monte Carlo, Monte Carlo Tree Search, etc. Alors on va voir ça sur les résultats. Les données qui sont gérées, alors on peut voir par exemple qu'est-ce qu'on va voir, ouais, celui-ci. Donc si je regarde ce qui m'a produit dans les fichiers ici, il a comparé Monte Carlo avec random. Donc, par exemple pour le paramètre Monte Carlo 8, et ben il a obtenu ses victoires, ses statistiques ici, victoire, défaite, etc. et le temps de calcul ici jusqu'à 128. Pareil, les statistiques de victoire ici, et il a mis 0,4 secondes pour faire ça. Et pour MCTS ici, voilà. Donc pareil, il a fait, il a joué contre random et il a mis ces temps-là. Donc en fait, j'ai essayé d'avoir des temps qui sont à peu près équivalents. Donc on voit ici que si je compare cette ligne-là avec cette ligne-là, bah pour Monte Carlo, il aura mis 0,12 secondes. Et pour MCTS, pareil, il aura mis 0,12 secondes là, 0,23, 0,25, 0,5, 0,4. Bon, c'est un peu plus lent ici, mais c'est des temps à peu près comparables. Et la dernière fonction, elle va comparer justement chacun de ces temps d'exécution, l'un avec l'autre, et ça va nous permettre d'avoir une idée de comment se comporte Monte Carlo avec Monte Carlo Tree Search à temps constant. Donc pour voir ça sous forme un peu plus lisible, j'avais mis un script pour afficher des images. Ok, donc là en plus des CSV, il a créé les images qui correspondent. Donc on peut les afficher. Hop. Et voilà. Donc l'histoire du à temps constant, on va le voir après. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est Monte Carlo, Monte Carlo Tree Search contre random. On voit que Monte Carlo, donc il est en rouge, random il est en jaune et les égalités sont en bleu. Et là on a le paramètre de le X ici, donc de Monte Carlo Tree Search qui évolue. Donc, le nombre de simulations de Monte Carlo. Et là on voit évidemment qu'avec Monte Carlo Tree Search contre random, il gagne très 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 rapidement, même avec peu de simulations, il est beaucoup plus performant que random. Donc ça c'est normal. Ça c'est la même courbe mais un peu zoomé, donc on voit, alors là j'ai pas mis beaucoup de jeux donc c'est un peu bruité les données, mais on voit que très très rapidement il gagne contre random, donc ça c'est normal. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on peut voir, ça, donc Monte Carlo en faisant varier son paramètre par rapport à Monte Carlo où le paramètre est fixé à 512, on voit l'évolution que effectivement quand on augmente le nombre de simulations de Monte Carlo, on devient de plus en plus performant. Alors notamment ce qu'on peut voir c'est que à 512 on a à peu près 0,5%, puisqu'on a le Monte Carlo 512 contre Monte Carlo 512, donc c'est à peu près ce qui se passe ici. Et puis si on augmente les simulations de Monte Carlo, on va commencer à être un peu meilleur. Et enfin, donc c'était celui-là. Donc si je compare Monte Carlo et Monte Carlo Tree Search avec les paramètres que j'ai réglés pour que ce soit à peu près à temps constant, et on voit que Monte Carlo Tree Search
qui est en jaune ici, eh ben il devient plus performant que Monte Carlo qui est en rouge ici. Et même si on a des paramétrages un peu importants, ça c'est intéressant, les deux algorithmes deviennent relativement efficaces, on a un peu de d'égalité qui apparaît ici. Donc voilà un peu, on retrouve les mêmes statistiques, en fait les mêmes graphiques que ce qu'on avait vu en C++. Donc là je les ai remis avec un peu plus de simulation, les graphiques sont un peu plus propres, et voilà. Et donc en conclusion, on a vu que implémenter une structure d'arbre en Haskell, c'est quelque chose qui est très très courant, mais on peut également le faire de façon assez proche des langages impératifs, avec des parcours et des remontées dans les arbres, grâce à cette notion de mode ADST et de référence modifiable ou juste utilisable à travers la mode ADST. Dans le prochain article, on verra quelques remarques sur les performances du code en Haskell et comment on peut comparer ça avec C++. Et voilà.